Vous m'entendez? Ok. Bon, alors, comme le veut la tradition, à chaque fois que je veux faire une démonstration ou que je prépare une surprise, ça ne fonctionne pas. Je vais voir tout à l'heure si on va pouvoir faire une petite démo de ce que je vais vous présenter comme, comme concept. Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier l'équipe de Passage en scène pour l'invitation et aussi pour le travail qui s'effectue pour l'organisation, parce que c'est beaucoup de travail. Je voudrais aussi remercier la communauté aussi pour les retours positifs que j'ai eus l'année dernière lorsque j'ai présenté un peu le concept de DAO. Donc là, vous inquiétez pas, hein, si vous avez des questions sur ce genre de système, je me ferai une joie de répondre à tout ça, puis on va essayer un peu de partager ensemble un glossaire pour pouvoir parler de la même chose ensemble. Effectivement, je vais tout de suite me présenter. Donc je m'appelle Alexandre David, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille pour Eureka. Eureka, c'est un organisme de formation spécialisé sur la thématique. Alors, j'aime pas, moi, le mot blockchain. Je préfère plutôt parler de trustware. C'est plus adéquat comme terme. Parce que je vais vous l'expliquer un peu après. C'est vrai que la blockchain, c'est juste un composant du système. Donc, on fait des formations de tout type. On fait des formations techniques depuis plus de 2 ans maintenant sur ces technologies. Et puis dernièrement, on a aussi lancé une formation de trading. Donc, ce sera la première formation en France de trading de crypto-monnaie. Donc, effectivement, quand on veut démarrer une nouvelle discipline, l'été nous donne beaucoup de temps libre. Et c'est la meilleure façon de comprendre un peu comment ça fonctionne, faire de l'arbitrage sur les crypto-monnaies, développer des bots, savoir un peu tout ce qui est le glossaire sur le trading, tout ce qui est le scalp, le MCAD, etc. Enfin, donc on fait une formation très complète là-dessus et on va directement dans le vif du sujet. On travaille aussi avec plusieurs écoles. Et donc dernièrement, on a signé un partenariat avec le GI, qui est un école du numérique, où on lance le premier cursus au monde, hein, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, d'architecte, on appelle ça architecte blockchain, mais plus communément, c'est l'architecte de registre distribué. Vous allez comprendre un peu tous les outils cryptographiques qu'il y a derrière ces protocoles, derrière Bitcoin, derrière Ethereum principalement, et puis aussi comprendre le développement, puis aussi comprendre tout l'écosystème de chacun des systèmes, parce qu'effectivement, ça s'étend, ça se scale, et puis aujourd'hui, tout ce qui est de base sur Bitcoin, qui n'est pas encore compris, et je parle vraiment pas uniquement pour la France, mais pour tous les pays du monde, hein, c'est une technologie qui est aujourd'hui maîtrisée vraiment par une petite élite, donc ça reste assez centralisé au final. Voilà, donc nous, avec ce cursus-là, on voit vraiment tous les aspects. Et ces aspects, quels sont-ils? Ces aspects, ils ne sont pas que techniques, ils ne sont pas que technologiques, ils sont aussi sociologiques. Il faut comprendre que lorsque vous avez un protocole, c'est principalement du code, et généralement, vous avez souvent des bugs. Donc les questions qu'il faut se poser, c'est qui détecte ces bugs, qui effectue les implémentations. Et donc pour ça, il faut savoir quelles sont les populations, quels sont les gens qui composent la communauté de ces systèmes et en quoi ils sont légitimes pour mettre à jour ces systèmes. Voilà. Et comment est-ce qu'ils vont les changer? Donc effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit, j'aime pas le mot blockchain, parce qu'effectivement, la blockchain, c'est juste un composant. Et on le voit juste ici. En réalité, dans tous les registres qui existent déjà depuis les années 60-80, ce qui manque comme élément, c'est celui de l'unité de compte. C'est ce qu'apporte Bitcoin. C'est un aspect pécunier économique qu'on n'avait pas avant. Du coup, on va pouvoir intégrer, injecter dans ces technologies tout ce qui est game theory. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Mais si aujourd'hui, la blockchain de Bitcoin est réputée infalsifiable, c'est uniquement parce que vous n'avez pas d'intérêt économique, vous n'aurez pas de retour sur investissement à attaquer le système, puisqu'effectivement, vous allez vous retrouver propriétaire d'un système qui va valoir zéro sur les marchés. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de comment dire, qui n'est pas technique. Ça veut dire que c'est pas parce que vous faites du chaînage de blocs, pas parce que vous utilisez des fonctions d'achat cryptographique que vous allez forcément avoir quelque chose de sécurisé. D'accord? Voilà, donc ça, c'est très important. Donc l'innovation, en fait, de Bitcoin, c'est pas la blockchain. Malheureusement, hein, tout le monde vous dit que Bitcoin est basé sur de la technologie blockchain. Ça, c'est complètement faux. Bitcoin utilise des outils cryptographiques et va produire sa propre blockchain. D'accord? Ça aussi, c'est, voilà. Bon, je pense qu'à mon avis, je m'adresse à un public qui est assez au courant, assez averti de ces choses-là. Mais c'est vrai que dans la presse et dans certaines conférences professionnelles, on entend toujours ces bêtises-là. Donc voilà. Juste vraiment remettre les choses au point à partir de ce sujet-là. Donc l'innovation de Bitcoin, c'est le fait que
À partir d'unités de compte consignées dans un registre qu'on appelle la blockchain, c'est une structure de données qui va se retrouver chaînée par des fonctions d'hachage cryptographique. Cette unité de compte permet de rétribuer une partie de la communauté qui va participer au protocole de validation. Et en fait, ce protocole de validation permet de produire cette blockchain. Donc, vous créez un cercle virtueux et l'innovation, c'est ce qu'on appelle le consensus distribué de façon autonome. Donc l'innovation de Bitcoin, ce n'est pas la blockchain, l'innovation de Bitcoin, c'est le consensus distribué de façon autonome de Bitcoin. Il est unique et éphémère. Tout comme vous avez une neutralité du net, vous avez aussi une neutralité de Bitcoin. Voilà. Et cette neutralité peut être mise à mal tous les jours. Bitcoin est attaqué tous les jours. Aujourd'hui, Bitcoin sécurise pratiquement 100 milliards de dollars de valorisation. Donc c'est vraiment énorme. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. C'était juste une petite mise au point pour remettre la blockchain à sa place et enfin commencer à parler des protocoles. Donc là, on va parler surtout de protocoles Bitcoin et je vous avais préparé une petite démo sur le protocole Ethereum qui n'a pas l'air de se lancer. Donc, je vais voir si j'y arrive tout à l'heure. Donc je pense que le constat, on est tous plus ou moins d'accord, le système actuel, ça ne fonctionne pas. Donc pour être sûr sur le mot démocratie, on sait tous que l'étymologie, c'est le pouvoir au peuple. Mais aujourd'hui, le mot démocratie a un peu changé de sens. Le mot moderne de démocratie, c'est la définition que j'ai affichée ici. C'est-à-dire qu'on va avoir des experts qui composent un gouvernement et qui gouvernent des gouvernés. Voilà. Donc on est plutôt en fait dans un système plutôt oligarchique qu'un système démocratique. On peut même parler de totalitarisme mou. Le totalitarisme dur, c'était il y a 60 ans. Donc la problématique qu'on va essayer de se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas des outils qui nous permettent d'éviter que ces experts détournent leur pouvoir pour leurs propres intérêts? Alors la réponse, vous la connaissez, la réponse c'est non. Cependant, aujourd'hui, on a peut-être des pistes, on a peut-être des concepts qui peuvent être intéressants, qu'on va pouvoir coupler et qu'on va pouvoir théoriser. Et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Le premier concept qui nous intéresse, c'est celui de DAO. C'est un concept qui a été créé par Vitalik Buterin. C'est le concept qui a fait que je me suis mis à investir dans Bitcoin. Le concept, alors DAO, c'est l'acronyme, pour ceux qui ne savent pas, de Distributed Autonomous Corporation. Enfin, ça, on parlait de DAC à l'époque, mais aujourd'hui, on parle de Distributed Autonomous Organization. Voilà. Donc, ce sont des organisations distribuées de façon autonome et non décentralisées. Parce qu'en fait, en réalité, contrairement à ce qu'on dit, là aussi, pareil, une DAO, c'est forcément centralisé. Enfin, ça va être centralisé à un certain niveau. Hein, vous avez différents types de contrats. Vous avez les smart contracts et vous avez les dumb contracts. Sur Ethereum, majoritairement, vous allez faire du dumb contract. Dès que vous faites appel à un oracle ou à un tiers de confiance, vous êtes dans du dumb contract, même si c'est automatisé. Voilà. Il y a parfois des ambiguïtés entre mots décentralisés, automatisé, distribué, etc. Donc là, on parle de distribuer parce que effectivement, on va récupérer les propriétés, l'architecture du réseau. D'accord ? Mais vous pouvez très bien faire une DAO centralisée et la DAO peut prendre tout un tas de formes, que ce soit une organisation, enfin une association, loi 1901, que ce soit une entreprise, un fonds d'investissement. Et là, on va le voir pour le cas, une société ou, pour l'exemple, si ça marche, une micro-société. Donc, ce qui nous intéresse dans le concept de DAO, ça va être tout le côté logiciel. Une DAO, c'est du logiciel. Et ce qui va nous intéresser, c'est la possibilité de pouvoir prendre des décisions tous ensemble. Avec la DAO, on aplatit la gouvernance. On rentre dans un système un petit peu plus hiérarchique et moins hiérarchique. Le deuxième concept qui nous intéresse pour la daocratie, ce concept de daocratie, c'est celui des marchés prédictifs distribués. Alors les marchés prédictifs, c'est un concept qui existe déjà depuis plus de 35 ans. On va aussi récupérer toutes les théories qui sont formalisées autour de ce type d'application. On peut penser aux recherches modernes sur le théorème de sagesse des foules de Francis Galton. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un peu ce théorème-là, c'est-à-dire que si on prend l'ensemble des personnes dans la salle et qu'on leur demande quelle est la température de la salle, même si vous, en tant qu'individu, vous n'aurez pas forcément la bonne réponse, si on fait l'agrégat, la moyenne de ce sondage, on va tendre vers la bonne réponse. Voilà, c'est un peu ce système-là qu'on essaie de récupérer dans les marchés prédictifs.
Et normalement, si vous avez compris un peu ce théorème-là, vous avez compris ce que j'essaie de dire, vous allez comprendre qu'on va essayer de faire du législatif avec les marchés prédictifs, voire même de l'exécutif, ou rendre en fait complètement ces deux concepts-là totalement obsolètes. Et enfin, effectivement, sur les marchés prédictifs, il y a aussi une seconde chose qui nous intéresse, c'est que là, on les améliore avec des protocoles tels que Bitcoin et Ethereum, parce que sur une blockchain, vous n'allez pas y mettre des MP3, vous allez y mettre des empreintes numériques, donc vous allez y mettre de la preuve. En fait, uniquement de la preuve d'existence. En aucun cas, une blockchain va vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord ? Faut pas le jurer sur la blockchain ou y croire. C'est un système qui va vous dire, à partir d'un moment-là, sur mon système, cette preuve-là a été enregistrée, ce document-là a été enregistré, ces données-là ont été enregistrées. Mais vous pouvez très bien enregistrer des faux certificats, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la preuve d'existence. C'est une des applications qu'on peut faire avec Bitcoin. Donc voilà, donc on va récupérer ce côté distribué du réseau pour pouvoir y stocker de la preuve et pour pouvoir décentraliser ces marchés prédictifs. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, je pense que si certains d'entre vous ont des bitcoins ou des ethers, vous avez aujourd'hui les places de marché actuelles qui sont centralisées, qui se mettent des fois d'accord pour arrêter l'échange d'unité de compte et donc arrêter le cours suite à un bear trap ou un bug informatique, etc. Voilà, donc là, le but, ça va être d'essayer de décentraliser cette application-là. Et vous allez voir que ça va être essentiel pour la suite de notre concept. Alors, la daocratie repose sur trois grands piliers. Le premier pilier, c'est les membres. Le deuxième pilier, ça va être les obligations. En fait, tout comme on peut créer, tout comme un État peut créer des obligations d'État souveraine, grâce avec ces systèmes où vous pouvez créer des tokens. Alors il y a différents types de tokens. On a des protocoles tokens, des apps coins, on a des side coins, des meta coins, etc. Donc on peut mettre ça en place de différentes façons. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ça va être le côté token, unité de compte. Et avec ce token et cette unité de compte, on va émettre des obligations daocratiennes, si on peut se permettre ce terme, pour financer la DAO, mais aussi pour récupérer un certain nombre d'avis et prendre des décisions ensemble de façon plus décentralisée que c'est le cas actuellement. Et enfin, le troisième pilier, c'est la finalité. C'est-à-dire qu'avec ces deux éléments-là, on va pouvoir exécuter, mettre en place des projets qui, on l'espère, si le code n'est pas altéré ou le code n'est pas buggé, etc., si le système est légitimé, mettre en place des projets concrets qui vont être positifs pour le futur de la DAO. On va commencer un peu avec les membres et on va aller très rapidement dessus, puisqu'effectivement c'est plus un débat philosophique de comment implémenter tout ça. Qui a le droit de participer à une DAO, qui doit rentrer, comment, qui sort de la DAO, qu'en est-il des vulnérabilités sur les attaques civiles, voilà, tout ça c'est des questions qu'on va essayer de se poser, on va dire, à l'extérieur. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse là pour le coup, ça va vraiment être le cœur, le mécanisme. Comment fonctionne cette obligation, comment est-ce qu'on la produit et à quoi elle sert, d'accord ? Donc on reste vraiment centré sur l'aspect token. Et donc là, effectivement, il y a aussi d'autres questions qui se posent, comme que fait-on des morts de la DAO ? Est-ce qu'ils comptent pour le futur de la DAO ou est-ce qu'on les retire ? Et vous allez voir qu'en fait, on peut tomber dans des systèmes assez, assez rigolos où on va s'amuser à essayer de réveiller les morts, tout ça pour faire augmenter le niveau de vie de la DAO et le niveau de vie de l'ensemble des membres de la DAO. Alors, ça va être beaucoup plus clair en fait quand vous allez comprendre à quoi servent les membres dans cette DAO. Les membres dans cette DAO, en fait, annuellement, on va leur demander comment est-ce qu'ils se sentent. Donc ça va être un sondage sur l'année et on va récupérer l'ensemble de ces données. On va en faire la moyenne, donc, c'est-à-dire qu'on va faire la somme et on va le diviser par le nombre de participants de la DAO. Et on va leur poser cette question-là sur une échelle de 0 à 1. Et donc effectivement, chaque année, on va calculer ce qu'on appelle l'annual collective welfare, c'est-à-dire le bien-être collectif annuel. Avec cette donnée, on va produire un nouvel indice. Aujourd'hui, on est habitué à l'indice de la croissance. Si on veut que ça aille bien dans le pays, il faut faire de la croissance. Donc il faut produire plus, il faut consommer plus. Ce n'est pas le cas du démocratique collective welfare, l'indice qu'on va produire à partir, ou en tout cas avec un des composants qui est l'annual collective welfare.
Le Democratic Collective Welfare, donc c'est-à-dire le bien-être collectif démocratique, on va tout simplement prendre en compte tout ce qui est question qui concerne l'individu, c'est-à-dire votre santé, l'environnement, la protection des espèces, votre bonheur, etc., etc. Alors comment est-ce que ça se matérialise plus concrètement ? Ce Democratic Collective Welfare, on va s'en servir pour émettre des bons, des obligations. Et l'équation qui se traduit de ces obligations-là, c'est pour un Democratic Collective Welfare sur l'année en cours, d'accord ? On va avoir de façon pondérée et actualisée aussi l'annual collective welfare, donc la moyenne des sondages des membres de la DAO, plus le démocratique collective welfare de l'année suivante que le marché prédictif distribué va tenter de deviner, va tenter de prédire. D'accord ? Donc là, je vous vois tous en train de dormir. Parce qu'en fait, ça va se compliquer. Là, on se projette juste sur un an. En fait, on peut se projeter sur 20 ans, sur 100 ans, et en fait même plus l'infini. D'accord ? Donc ça dépend de comment est-ce qu'on veut l'implémenter. Donc là, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, nous, c'est le token, c'est l'obligation, c'est le mécanisme. Savoir les membres, comment est-ce qu'ils sont ajoutés ou pas, on s'en moque pour l'instant. Les vulnérabilités sur tout ce qui est attaque civile, etc. Là aussi, pareil, on peut avoir des pistes, mais c'est pas ce qui nous intéresse dans l'exemple actuel. Et pareil pour tout ce qui est marché prédictif, savoir s'il y a un seul et unique marché prédictif, s'il y en a plusieurs, comment, qui participe, uniquement les membres de la DAO, est-ce que tout le monde peut y participer, etc. Tout ça, c'est d'autres questions. Et puis savoir si le marché prédictif doit se projeter sur 5 ans, 10 ans, etc. Là aussi, pareil, c'est des questions qui sont plus philosophiques et c'est des questions qui vous concernent en plus, parce qu'effectivement, même si la démo ne fonctionne pas, on essaiera de mettre le code sur GitHub pour que ça puisse être forqué. Donc là, en fait, juste ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va se projeter dans l'avenir, et moins la projection de l'avenir va avoir d'importance sur notre indice qui est le Democratic Collective Welfare. D'accord ? Donc vraiment prendre en compte que ce Democratic Collective Welfare sur l'année en cours, qui sera en réalité connu qu'à la fin de l'année, au moment de la clôture des sondages, où on connaîtra le résultat final de l'annual Collective Welfare de l'année en cours, qui sera donné par les membres de la DAO, et sur lequel des porteurs des obligations vont pouvoir tout simplement, on va dire, un peu spéculer, parier, faire de l'argent. Voilà. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, dès qu'on dit le mot spéculer, ça a une connotation très péjorative. En réalité, là, le porteur va avoir intérêt à spéculer dans le bon sens pour la DAO. En fait, non. Le marché prédictif distribué va plutôt être agnostique, mais ça va être dans l'intérêt du trader, du porteur, d'essayer de bien deviner et de bien faire son travail. Voilà. Et plus il fait bien son travail, et mieux cela sert l'indice. Et vous allez le voir, ce qu'on fait de ces obligations. Juste là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces obligations ? Eh bien, on peut les acheter. Donc, on va avoir un porteur qui va acheter ces obligations. Et donc, cette obligation, elle est distribuée en deux paires. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'on va avoir le Democratic Collective Welfare en positif. Et comme, effectivement, sur cette daocratie, on peut aussi être malheureux, eh bien, on va aussi pouvoir parier. Non, alors pas parier, c'est pas ça. Mais on va pouvoir, en fait, on va pouvoir équilibrer sa paire de bons. Parce que c'est vrai que l'objectif, c'est que la DAO ne prenne pas de risques. C'est le porteur qui va prendre des risques. La DAO, elle va pouvoir faire de la compensation. Hein. La DAO va avoir un fonds d'investissement ou une sorte de banque qui va émettre ce bon, et ce bon va être acheté par un porteur qui va l'apporter sur le marché prédictif. Donc pourquoi est-ce qu'on a une paire de bons ? Bah, tout simplement parce qu'effectivement, si en fonction de l'ensemble des éléments, l'expert trader se dit que ça va plutôt aller bien pour la DAO, eh bien il va essayer de parier à la hausse. C'est-à-dire que sa paire de bons positifs, il va essayer de la vendre un petit peu plus cher. Par contre, il ne va pas prendre de risque pour sa paire de bons négatifs, parce que là, il sait que de toute façon, ça ne sert absolument à rien, tout se passe bien. On ne va pas essayer de parier sur le fait que la DAO va mal, va mal,
va mal tourner. Au contraire, si la DAO si la DAO a lieu dans un endroit où, je sais pas moi, il y a de la pollution, etc., on va peut-être se dire que effectivement le démocratique collectif welfare va plutôt être négatif, et donc là effectivement on va essayer de faire de l'argent sur la paire de bons négatifs plutôt que sur la paire de bons positifs. Une fois qu'on a ce marché prédictif qui permet de prédire avec une certaine précision l'avenir de la DAO, eh bien, on va se servir de ce marché prédictif pour décider ou non de l'application de projets de loi. Donc, dans la DAO, n'importe quel membre de la DAO est en capacité à faire une proposition de loi. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très hiérarchique, c'est très horizontal. Les membres de cette DAO peuvent le proposer une loi n'importe quand. Ce qui fait qu'on va choisir ou pas la mise en application d'une loi, on va se tourner vers le marché prédictif, distribué, qui, lui, va tout simplement regarder si le projet de loi va être prolifique ou pas pour la DAO. Et c'est automatique, c'est-à-dire que si la DAO va mal et que le projet de loi permet d'augmenter le démocratique collectif welfare, le projet de loi sera automatiquement adopté et exécuté. Au contraire, la DAO, elle, ne prend pas de risque. Si c'est inférieur, le projet de loi sera tout simplement rejeté. Donc ça fonctionne... Alors j'essaie un peu de le simplifier, mais c'est un peu plus complexe et encore, on pourrait aller beaucoup plus loin dans le détail. Donc en fait, on retrouve vraiment nos deux éléments importants, c'est-à-dire la DAO logicielle, le marché prédictif. Ce que va faire le marché prédictif, lui, il va tout simplement émettre des avis, des prédictions. Donc il va émettre le démocratique collectif welfare de l'année en cours qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra qu'à la fin de l'année et au moment où le marché prédictif, c'est-à-dire le smart contract distribué, autonome, réalisera le résultat du sondage à partir des membres de la DAO et va produire aussi, bien évidemment, parce que vous l'avez vu, on peut se projeter sur plusieurs années, l'annuel collectif welfare, parce qu'on en a besoin dans notre équation pour calculer notre bon, l'annuel collectif welfare futur. À partir de là, ce que va faire la banque de la DAO, le fonds d'investissement, celui qui émet les bons, c'est financer les projets de loi, ainsi que les membres de la DAO qui, eux, vont pouvoir proposer des lois. Voilà, c'est comme ça qu'on avance en société dans la DAO. Voilà, c'est en fait, en réalité, c'est une fois qu'on commence à se creuser un peu la tête sur ce concept, ça devient très simple à comprendre et c'est beaucoup plus simple que le système actuel avec des institutions un peu archaïques. Pour le porteur, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'en fait, il y a pas mal de variables qui reposent sur lui. Le membre de la DAO va répondre à un sondage et celui-ci ne sera pas connu. Lui, il est censé le prédire, il est censé le deviner. D'accord? Donc, vous comprenez que s'il le connaît d'avance, ça ne fonctionne plus. Donc ça va se retrouver être chiffré dans le smart contract. Et au moment où on arrivera à la fin de l'année, où les résultats seront publiés, eh bien, le porteur sera payé ou pas, s'il parie mal, s'il parie sur une mauvaise paire des bons, tout simplement il va perdre de l'argent. Pour prendre un exemple, on va revenir peut-être... un peu ici là, sur la paire des bons, c'est, si on peut prendre un exemple un peu plus concret. Si par exemple, même ici, si par exemple le porteur de la bon, du bon décide, se dit que la DAO va être à 70%, et que l'ensemble des porteurs se disent que voilà, ça va être, l'un va se dire moi c'est 69, l'autre va se dire c'est 73, etc. Mais on reste, hein, comme l'édicte le théorème de Francis Galton sur la sagesse des foules, on reste dans cette moyenne-là, d'accord. Là, ce qu'il va essayer d'effectuer, c'est une plus-value, d'accord. Donc ça son bon sur les marchés, il va le vendre peut-être à 10 centimes de bitcoin. Alors, on ne va pas prendre des bitcoins, mais 10 centimes de dollars, par exemple, ce sera peut-être beaucoup plus simple de garder la monnaie fiduciaire.
sur les marchés pour se faire une plus-value. Et au moment où l'oracle, c'est-à-dire le marché prédictif, émet le démocratique collectif welfare qui vient de s'effectuer, le porteur se retrouve être payé, sauf s'il a parié sur une mauvaise, sur la mauvaise bombe. Et donc voilà, donc on retrouve sur ce schéma-là où effectivement on va demander au porteur à lui de prédire non pas seulement démocratique collective welfare de l'année en cours et de l'année suivante et etc. Mais aussi de prédire tout ce qui est annuel collective welfare qui permet de calculer l'indice total. Et donc le marché prédictif, va tout simplement aider la DAO à choisir une loi. Voilà, on le voit ici. Le marché prédictif fait rejeter ou adopter une loi de la DAO. Voilà, et alors du coup, je devais faire une démo, mais je ne sais pas si ça a fonctionné. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement les questions-réponses pendant que j'essaie de faire fonctionner ça. Est-ce qu'on fait passer un micro ? Bonjour. Bonjour. Donc j'ai une question sur l'évaluation des lois. Enfin, je comprends bien l'idée que si une loi peut augmenter le DAO, enfin, l'évaluation, elle sera adoptée, mais c'est pas abstrait. Enfin, on ne peut pas dire cette loi elle va augmenter de plus 0,1. Enfin, il faut quand même qu'il y ait une évaluation de ça. Et comment ça se fait dans ce type de procédé ? Enfin, parce que on peut pas dire à la fin de l'année y a eu 40 lois de proposées, il y a eu une augmentation de l'indice de 0,5 et donc on les répartit comme ça entre ces lois. Enfin, c'est, Non, en fait, ça dépend encore une fois de comment est-ce qu'on va l'implémenter. Là, ce qui nous intéressait vraiment, c'était comme je disais, c'était le mécanisme du token, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir crowdfunder la DAO. Sans que ceux-ci prennent de risques. Après, sur comment est-ce qu'on implémente, vous l'avez bien vu, hein, autour de la DAO, on va voir les membres. Ça pose des questions philosophiques importantes, d'implémentation aussi. Pareil pour les marchés prédictifs, comment est-ce qu'ils vont fonctionner. Et aussi, pareil pour les projets de loi, comment est-ce qu'on va les exécuter. Parce que ça peut être aussi décidé au sein de la DAO, comment est-ce qu'on la légitime, comment est-ce qu'on les fait exécuter. Si on se dit, moi je vais planter des arbres pour améliorer l'environnement, qui est-ce qui exécute tout ça? Et pour exécuter tout ça, il faut aussi la légitimer. Donc ça passera par ça. C'est pour ça qu'on parle vraiment de concept. C'est une des pistes sur laquelle on pourrait se tourner pour essayer d'améliorer la vie en société. Ensuite, sur ce que vous dites plus concrètement par rapport aux lois, il faut que dans la proposition de loi, on puisse pouvoir mesurer le bien-être, enfin l'amélioration du démocratique collective welfare suite à l'adoption de cette loi-là. Là-dessus, j'ai pas de réponse concrète. C'est à vous de produire le code. Merci. Alors, bonjour. Je voulais vous demander par rapport à... Ça va un peu rejoindre ce qui a été dit, mais vous avez parlé au début du fait que... ce système va permettre de poursuivre des objectifs qui vont être autres qu'une activité économique. Mais comment ces objectifs seront choisis? C'est spontanément en essayant d'augmenter cet indice qu'en fonction de ce que les gens estiment être bénéfique à la société, ces valeurs évolueront avec les valeurs des gens? Ou est-ce qu'il y a une décision explicite collective qui est prise
sur les valeurs à suivre, en fait. Alors déjà, toute vérité est arbitraire. Donc ça dépendra de comment est-ce que vous implémentez ce système-là. Ce qui est sûr, c'est que la déocratie d'une communauté européenne n'a rien à voir avec la déocratie d'une communauté asiatique. Les valeurs ne sont pas les mêmes, les codes non plus. Donc ça, c'est difficile de répondre à cette question. Je ne suis pas Madame Irma. Bonjour. Bonjour. J'ai pas extrêmement bien compris, du coup je vais essayer de réexpliquer avec mes termes pour voir si j'ai à peu près compris un petit peu près comment ça fonctionne. Si j'ai bien compris, du coup on a un marché avec un indice, oui. Et un système de titres à échéance, donc des warrants en fait, où on peut faire des calls et des puts pour parier à la hausse ou à la baisse par rapport à un indice. Non. C'est un marché prédictif, c'est-à-dire qu'on va vous poser une question. Et vous, là, le bon est séparé en deux uniquement parce qu'effectivement, il faut équilibrer le bon. On ne sait pas si effectivement l'indice va être plutôt positif ou l'indice va être plutôt négatif. Donc c'est pour ça qu'on émet deux paires de bons. Comme ça, on permet une certaine compensation pour les fonds de la DAO et c'est le porteur qui prend les risques. Bon, d'accord. Bon, j'ai rien compris alors. Donc avec ce système de bon négatif et bon positif, est-ce qu'on peut imaginer un scénario où il y a des gens sans aucune morale ou éthique qui spéculent à la hausse sur le côté négatif pour provoquer une catastrophe qui ferait monter extrêmement... D'où l'enjeu en fait de décentraliser le smart contract pour éviter la centralisation et donc la manipulation. Par contre, on ne va pas se mentir, là encore une fois, en aucun cas ce système sera parfait. Il n'y aura jamais un système parfait. Le but, c'est d'essayer de tendre vers quelque chose qui fonctionne mieux que ce qu'on a actuellement et d'évoluer. L'autre vulnérabilité, elle est beaucoup plus proche que nous, c'est-à-dire c'est celle de l'interface. Parce que le trader ne va pas forcément tout envoyer en ligne de commande. Ça ne va pas être forcément un trader-développeur, un porteur-développeur. Donc vous allez avoir une interface et il y aura encore effectivement d'autres attaques à ce niveau-là. Donc non, il ne faut pas se mentir, il y aura toujours des vulnérabilités. Mais voilà, ça s'améliorera peut-être au fur et à mesure. J'ai vu qu'il y avait une question là. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour cette présentation qui était assez complexe, mais qui était assez très intéressante. Difficile à vulgariser, oui. Ouais, vraiment. D'ailleurs, c'est justement le sujet de mes questions parce qu'il y a plusieurs trucs que j'ai pas compris. Déjà, pour être sûr de ce dont on parle, la DAOcratie, c'est un système que vous avez créé qui est une des apps, c'est-à-dire une application basée sur la blockchain Ethereum de niveau 2, c'est-à-dire qu'elle ne dépend que de la blockchain Ethereum. Alors, en fait, il y a différentes façons de l'implémenter. Et on peut faire un système hybride. On peut, par exemple, acheter le bon avec des bitcoins, des ethers, des dogecoins, etc. Ça, c'est tout est imbriquable, en fait. Après, effectivement, les smart contracts, aujourd'hui, de la DAO, que ce soit le côté DAO ou le côté marché prédictif distribué, aujourd'hui, ça peut être codé, ou on va dire même prototypé, en réalité, que sur Ethereum. Il faudra attendre un peu l'évolution de l'intégration de SegWit sur Bitcoin pour pouvoir faire du smart contract. D'ailleurs, on ne pourra même pas faire du smart contract aussi complexe que sur Ethereum avec Mast et Scriptless Script. Mais voilà, c'est... D'accord. Bah, du coup, ça, j'arrive à ma deuxième question qui concerne les smart contracts. Du coup, on va construire un système sur la DAOcratie qui se base sur des smart contracts. Et pour voter, pour employer, on va dire, la DAOcratie, si je ne me trompe pas, pour utiliser un smart contract, il faut payer en Ethereum pour l'alimenter. Oui. Donc en fait, il faudrait payer pour être citoyen, plus ou moins. Non. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est pour ça que je voulais faire une démo pour montrer un peu, savoir qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui est miné et quel est le coût en gaz. C'est ça qui m'intéresse aussi, de savoir quel est le coût économique en dehors du coût électrique de ce qu'on devrait dépenser là-dedans. Déjà, pour si admettons
que la DAOcratie aujourd'hui existe sur, sur Ethereum, il faut savoir que la taille des blocs sur Ethereum est déterminée uniquement par le marché, c'est-à-dire par le coût en gaz. Par le marché. Le coût en gaz est déterminé par le marché. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on a quand même des coûts qui sont assez faibles. Pour exécuter le peu de fonctions, les fonctions, on va l'exécuter qu'une seule fois. Pareil pour l'annual collective Wolfer, une fois qu'on va libérer l'indice et pouvoir payer les porteurs, ça sera miné qu'une seule fois. On aura besoin de la fonction qu'une seule fois. Après, il y a d'autres fonctions aussi. C'est pour ça généralement qu'on fait l'amalgame. On dit qu'une blockchain, c'est une base de données, c'est une structure de données. Mais on peut faire aussi un peu de base de données parce qu'on va pouvoir extraire des données et on va pouvoir les utiliser pour effectuer d'autres fonctions. Et même en mettre dedans. À la base. Oui, alors c'est-à-dire qu'effectivement, je voulais présenter vite fait le smart contract qui permet de présenter un peu le mécanisme du bon. Mais pour une DAOcratie complète, il faudra compter plusieurs fichiers. Et on supprimera des fichiers en fonction des décisions qui seront prises au sein de la DAO. Donc il y aura effectivement d'autres fonctions qui seront minées, qui seront intégrées dans le bloc. Ça dépend de comment est-ce qu'on l'implémente. L'un des points positifs, c'est que comme c'est miné, que ça a un coût, ça oblige le développeur ou ça oblige la DAO à s'améliorer et à réduire le nombre de lignes de code et de simplifier au maximum. Ça apporte des bonnes pratiques en réalité. Donc c'est pas si problématique que ça. Vous en tant que citoyen, vous allez pas devoir payer. Vous, ce qu'on va simplement vous demander, c'est d'émettre un avis sur votre bien-être. Donc, pour ça, en tout cas dans l'exemple actuel, vous n'avez pas besoin de payer pour l'amener. Et puis le smart contract, on n'a pas besoin de payer. En fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est la banque qui va se cross-funder en émettant des bons qui va pouvoir payer. C'est la DAO qui va payer. C'est pas le membre de la DAO. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais au bout du compte, elle devra quand même payer en une quelconque crypto-monnaie le fonctionnement du smart contract. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît ? Mais au bout du compte, il faudra quand même qu'elle paye dans une quelconque crypto-monnaie le fonctionnement du smart contract. Il y a plusieurs fonctions qui sont payées dans le smart contract. Mais les coûts sont dérisoires. Les coûts peuvent évoluer, si je ne me trompe pas, non ? Oui, les coûts peuvent évoluer. Là-dessus, l'avenir est incertain, mais c'est dans ce cas-là, sinon on ne fait plus rien. C'est pareil sur les coûts de transactions sur Bitcoin. Il y a un marché de transactions qui est en train de se mettre en place. Il y a une émission monétaire qui est intrinsèquement déflationniste. Donc on a un halving qui s'opère. Donc il faut compenser tout ça. Est-ce que le coût des transactions Bitcoin vont augmenter ? C'est une question qu'on peut se poser. Sur Ethereum, le concept économique est un peu moins clair. Puisqu' on ne sait pas encore laquelle des écoles, entre l'école Vitalik ou Vlad, sera implémentée plus tard sur le protocole. Mais on peut imaginer aussi qu'il y aura un peu d'inflation pour compenser tout ça. Bah, je vous remercie pour ces éclaircissements. Merci. Je vais répéter la question. Donc la question, c'est le fait que le porteur prenne des risques financiers implique que pour proposer une loi, il faille avoir les moyens. Non. Ce que fait le marché prédictif, c'est qu'il édicte juste un avis sur est-ce que la DAO doit prendre ou pas en compte la loi. Est-ce que ça va améliorer Ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, en termes des implémentations, on ne sait pas si le porteur du bon doit forcément être un membre de la DAO. Aujourd'hui, on peut partir sur toutes les pistes. Il peut être à la fois externe ou interne. Donc non, l'aspect financier là-dessus n'a aucun impact sur qui peut dicter les lois. N'importe qui peut émettre des lois. Ensuite, si cette loi améliore le Democratic Collective Welfare, cette loi est automatiquement adoptée. Voilà. Oui.
C'est le marché prédictif, en fait. Le marché prédictif, il a... Si je reviens juste un peu... ici, voilà. Le marché prédictif, lui, ce qu'il va juste faire, c'est produire des indices, essayer de prédire l'avenir pour la DAO, voir si ça va être un avenir plus radieux ou au contraire un avenir plus sombre. Et c'est tout. À partir de cet indice-là, en fait, le code exécute tout simplement l'équation du fait que par rapport au Democratic Collective Welfare actuel, la proposition de loi permet d'améliorer l'indice. Si ce n'est pas le cas, la DAO ne prend pas risque et rien n'est fait. Ça motivera peut-être aussi les porteurs de projets de loi à améliorer leur proposition. Si par exemple vous dites, bon voilà, si je plante une éolienne là dans le jardin, ça va améliorer le Democratic Collective Welfare. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être revenir avec un projet de loi en disant, voilà, bah, avec deux éoliennes, là, effectivement, j'améliore le Democratic Welfare. Ça améliorera peut-être un tout petit peu, ce qui permettra à la loi d'être adoptée. Voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne le mécanisme. Bonjour, j'aurais une question. Ça fait que quelques semaines que je m'intéresse à ces daocraties et ce genre de choses. Vu la complexité qu'on a des smart contracts, du code sur Ethereum, j'ai vu que maintenant il y a des jeux de casino où il y a le Queen of Ethereum, enfin King of Ethereum, il y a plein de codes différents. Les DAO, vous avez parlé de leur légitimité. On ne va pas assister plutôt à un éparpillement, enfin, vous voyez le. La dilution de... Bon, on parle de forcologie. Ah, nouveau terme. Ouais, c'est encore un nouveau terme. Bah, enfin, ouais. Donc, comment on peut voir ça dans un avenir pas lointain, c'est difficile de prédire l'avenir, mais je vois pas si les gens en toute cette salle vont d'un coup se mettre à se dire je vais aller dans tel DAO. Enfin non, chacun a son avis. Bah c'est un peu le fait. Enfin c'est je dirais pas que c'est l'histoire qui se répète, mais si on peut revenir un peu en arrière, les concepts de la République étaient mis en place après la première Révolution française de 1789. Il fallait aussi expliquer au Pékin moyen, qui était dans le fin fond de sa campagne, quel était l'avantage à lui de pouvoir participer, de pouvoir voter. Donc on a vu l'émergence de tout un tas de clubs de républicains, de démocrates se mettre en place. Ça, c'était plutôt des clubs républicains, pardon, se mettre en place pour justement éduquer les gens. Là, je pense que pour utiliser et être daocratien, je pense qu'il faut, il faut tout simplement pisser du code. Donc ça ne sera pas accessible à tout le monde tout de suite. Il va falloir être, plus que citoyen, il va falloir être architecte. La bonne nouvelle, c'est que vous avez passé 15 ans de votre vie à être citoyen pour qu'on vous apprenne à payer vos impôts et à aller voter. Vous pouvez... en quelques semaines, voire moins d'une année, devenir développeur et donc pouvoir maîtriser ce genre de système. Donc il faut aussi évoluer intellectuellement. Le risque, et c'est une bonne question, le risque, c'est qu'on essaie de développer tout un écosystème autour qui aille trop loin dans la simplification et qu'on se mette à faire confiance à ce système sans pouvoir en vérifier le code ou en avoir la capacité. Et ça, c'est une des problématiques. Alors non, pour The DAO, c'était autre chose. On avait la capacité d'auditer le code, et toutes les personnes qui étaient impliquées dans le projet pouvaient le faire. La problématique, c'était qu'on savait qu'il y allait avoir des vulnérabilités. D'ailleurs, le premier proposal de The DAO concret, c'était un proposal qui permettait de financer la recherche sur la sécurité pour améliorer le smart contract The DAO. Donc, c'est pas quelque chose qui devait étonner les investisseurs. Malheureusement, comme il y a énormément d'abstention aussi sur Bitcoin et sur Ethereum, effectivement, les gens n'ont pas trop compris ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont décidé d'acheter des DAO tokens. Alors, si je peux aussi rebondir sur la question qui m'était posée précédemment, il va y avoir aussi ce concept de darwinisme daoïen sur tout ce qui est forcologie. C'est-à-dire qu'il va y avoir
certaines DAO vont avoir des impacts sur d'autres DAO. Et donc, certaines DAO vont manger, croquer d'autres DAO. Exemple concret, c'est, par exemple, on peut prendre un exemple sur l'énergie. Si vous avez une DAO allemande et une DAO française, si la DAO allemande estime qu'il est bon pour elle d'implémenter des centrales à charbon pour fournir de l'énergie à ses citoyens, à ses members, cela va impacter la DAO française qui, on le sait tous, aujourd'hui, les centrales à charbon allemandes produisent fait de l'émission effet de serre et ces gaz sont portés par les vents sur la France et posent des problèmes de santé pourraient poser des problèmes de santé pour les membres de la DAO française qui elle effectivement serait plutôt contre l'installation de ces centrales à charbon. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut extrapoler, on peut utiliser ce genre de scénario. Bonjour. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de qu'il va falloir pisser du code. De l'exposé, j'ai aussi compris que finalement, les propositions de loi, quelque part, elles s'exprimaient sous forme de smart contrat. C'est ça ? Est-ce que c'est vraiment très démocratique de penser que la plupart des citoyens vont pouvoir effectivement formaliser sous forme de code ce qu'ils voudraient voir demain dans la cité et comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est pas un petit peu élitiste hein? Alors ça, c'est encore une fois, comme je disais, c'est une question philosophique externe par rapport à la présentation actuelle. Ce qui nous intéressait là, c'était vraiment le token, le bon. Pour répondre à la question, oui, c'est complètement discriminatoire. Après, ça dépend de comment c'est implémenté. Est-ce que vous créez une interface simple qui vous permette de sélectionner des éléments et d'édicter votre loi et votre smart contract se trouve automatiquement généré? C'est une des possibilités. En fait, il y a tout un tas de pistes. Ça, c'est au projet. Je posterai le code sur le GitHub et je partagerai le lien. S'il y a des gens qui veulent voir comment ça fonctionne, s'il y a des gens qui veulent l'améliorer, c'est ouvert. N'importe qui pourra contribuer et apporter ses éléments de réponse, ses mécanismes, etc. Donc oui, c'est élitiste et en fait, il y a d'énormes autres problématiques. Il y a le fait que, par exemple, la DAO tourne sur un protocole qui est un tant soit peu centralisé. Ethereum, aujourd'hui, évolue que par hard fork et ces hard forks sont décidés par une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc si cette équipe de vingtaine de personnes estime que la DAO-cratie qui tourne sur son système est problématique, ils peuvent aussi réécrire l'historique. Ils peuvent impacter le smart contract. Donc il y a des sujets qui sont déjà plus profonds que ces sujets-là, que ces sujets philosophiques. Donc effectivement, on est encore vraiment très loin de vivre en daocratie. Alors, je ne sais pas si... Bon, je suis désolé pour la démo, la VM bug un peu. Je posterai le code sur GitHub. Pour ceci, il suffit simplement de me suivre sur Twitter. Je posterai aussi les slides ainsi que le code si vous voulez jouer avec. Je me ferai aussi un malin plaisir de répondre à toutes vos autres questions. Parce qu'effectivement, c'était assez difficile de vulgariser un système assez complexe. Merci.